crazy to think that this could work. Remember how I said I'd die for you. We were stupid to jump in the ocean separating us. Remember how I fly to you. And I can't talk to you when you're like this, staring out the window like I'm not your favorite town. I'm New York City, I still do it for you, babe. They all warned us about times like this. They say the road gets hard and you get lost when you're led by blind faith, blind faith. But we might just get away. Ce matin, j'ai fait un run où je me suis senti vraiment bien. J'ai couru autour de Stanley Park, qui est le grand parc à Vancouver. C'est magnifique, c'est mi-parc, mi-au bord de l'océan Pacifique. Et donc c'est vraiment bien, je me suis senti super bien dans le run. Et je me suis dit que à ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de gratitude et d'accomplissement. Le sentiment que aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est le moment présent que je vis. C'est un peu l'aboutissement des 7 dernières années. Ça fait 7 ans que je lis tous les jours, j'écris tous les jours, j'essaie tous les jours de progresser, devenir une meilleure personne, devenir un meilleur entrepreneur, apprendre des trucs, etc. Et ce matin, voilà, en courant, je me suis dit, t'as fait ce chemin-là, et aujourd'hui, pouvoir être là, à ce moment-là, à cet endroit-là du monde, c'était une vraie belle fierté pour moi. Et donc là, en fait, je suis en vacances, je suis au Canada depuis une semaine, et sinon je suis en vacances depuis 2 semaines, on a fait New York avant, je vais vous mettre des images dans le vlog. On repart à New York avant de rentrer en France dans quelques jours, et dans ce vlog, je vais vous expliquer comment est-ce que, pour la première fois, je prends des vacances. C'est la première fois, je crois, depuis que je suis entrepreneur. Alors j'ai pris des petites vacances ici et là, mais là, je coupe quasiment intégralement pendant 3 semaines, un truc qui m'est jamais arrivé. Et ça fait du bien. Et je vais vous expliquer ma recette, ma méthode pour des vacances réussies quand on est entrepreneur. We can patch it up good. Make confessions and we're begging for forgiveness. Got the wine for you. Première règle pour réussir ses vacances, c'est de bien choisir sa destination. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que on a fait 2 destinations cet été. Première destination, c'est New York, pour avoir un shot d'énergie, d'ambition, de grande ville, mais aussi d'art, de culture. C'était très réussi à ce niveau-là. Et deuxième destination, c'est le Canada, pour avoir un mood beaucoup plus chill, beaucoup plus nature, beaucoup plus randonnée, on prend le temps, beau paysage, belle découverte. Et le but, c'est à chaque fois de changer de cadre radicalement, de casser un peu avec la routine, voir d'autres choses, d'autres manières de vivre, d'autres manières de réfléchir. Et l'Amérique, en général, c'est toujours une très bonne destination. Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy.
change it for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. One, here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar get tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar get tipsy. La seconde règle pour des vacances réussies, c'est de bien les planifier. Moi, pendant mes 4 premières années, je prenais des semi-vacances, c'est-à-dire que je travaillais en même temps. Et donc, j'étais tout le temps en train de devoir penser à des choses, à travailler. Et là, pour la première fois, j'ai délégué, je me suis organisé, j'ai agencé mon calendrier pour être libre, pour avoir des vacances et pour avoir 3 semaines où je ne touche quasiment pas mon ordi. J'ai juste fait 2-3 emails à un moment, mais c'est tout. Et ça fait beaucoup de bien et je vois à quel point c'est ressourçant, c'est rafraîchissant, ça paraît évident, mais là je me rends compte. Après une dizaine de jours à Vancouver et au Canada, retour à New York pour la fin du voyage et on a encore quelques jours avant de rentrer en France. Avec une très belle vue depuis la chambre d'hôtel. J'ai toujours été attiré par ces grosses villes tentaculaires avec des immenses gratte-ciel. Je pense que New York, c'est la ville qui incarne le plus cette vision, cette image qu'on a. C'est une ville qui est iconique par rapport à ça. Et je trouve que le fait d'être ici, c'est stimulant, ça donne de l'énergie. Alors c'est un peu le chaos partout dans les rues, c'est le bordel, il y a beaucoup de bruit. Tout est immense, tout est très très grand, il faut beaucoup marcher. Mais c'est un vrai kiff d'être ici. Moi j'adore voir tous ces gratte-ciel, c'est super inspirant, là je vous parle avec la vue sur les gratte-ciel et je sais pas, ça donne de l'énergie, ça motive, ça donne envie d'être ambitieux, ça donne envie de faire plus de choses, d'aller encore davantage croquer dans la vie et ça me fait beaucoup de bien d'avoir eu cette pause cet été avant de revenir en France, avant de repartir et de bien me remettre au boulot pour attaquer la fin d'année. Donc vraiment, je regrette pas du tout d'être venu ici, on a eu beaucoup de chance sur le temps, aussi bien ici qu'au Canada. C'est jamais monté au-dessus de 30, toujours avec un grand soleil. Là, c'est l'un des seuls jours où il y a un peu de la pluie et de la brume. Mais New York, c'est cool aussi avec ce temps-là. Donc très content, et si vous ne connaissez pas New York, je ne peux que vous encourager à venir. Il y a beaucoup d'art, beaucoup de culture, beaucoup d'histoire, beaucoup de librairies, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et c'est franchement un vrai régal. Ma règle numéro 3 pour des vacances réussies, c'est même si je ne travaille pas, je ne débranche surtout pas mon cerveau pour autant. Moi, mon péché mignon, c'est les livres, c'est les librairies. Et je me rends compte que ça fait quelques années, surtout l'année dernière, qu'à chaque fois que je prends soit mes vacances, soit mes fameuses semi-vacances, je prends toujours beaucoup de temps pour lire. Et je me rends compte que c'est super précieux, puissant et utile de coupler ces phases où on va ralentir dans le travail pour avoir plus le temps de réfléchir, de digérer, de penser, et de coupler ça avec la lecture de livres qui ont le potentiel de nous transformer et de nous faire avancer, avoir de nouvelles idées et de nous changer. L'an dernier, j'ai lu un livre dont je parle beaucoup qui s'appelle Be Water, My Friend. Je l'ai lu pendant ma phase de semi-vacances et j'ai pris le temps de beaucoup y réfléchir, de noter les idées dans mon carnet. Et en fait, c'est peut-être le livre qui a eu le plus d'impact dans mon année. Et donc, j'étais très content d'avoir pris le temps de moins travailler pour pouvoir lire. Et là, cette année, c'est pareil. Sur ma Kindle, j'avais acheté un livre avant de partir. C'est une fiction qui s'appelle, en anglais, c'est Atlas Shrugged de Ayn Rand.
Et le titre du livre en français, c'est La Grève. Je préviens tout de suite, c'est un énorme pavé, je crois que c'est 1500 pages. Donc c'est 30 heures de lecture sur Kindle. À titre d'indication, un livre, c'est plutôt 5-6 heures. Mais j'ai le sentiment que c'est l'un des livres qui... c'est peut-être mon livre de fiction préféré de tous les temps. J'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il rentre dans, au moins dans mon top 3 sûr. Il me reste une heure de lecture, je suis quasiment à la fin. Et c'est un livre qui me fait beaucoup réfléchir. Je vous raconte l'histoire rapidement, sans la spoiler, parce que franchement, j'encourage tout le monde à le lire, tellement c'est le livre est incroyable. Aux États-Unis, ils disent que c'est le deuxième livre le plus influent après la Bible. Donc c'est pour vous situer un peu le niveau de l'œuvre. Si je résume, ça me fait mal de le résumer aussi de manière aussi simpliste, mais imaginez un monde où les entrepreneurs, notamment les industriels, ça se passe dans le New York des années, d'il y a une centaine d'années, où les entrepreneurs se mettent en grève parce que trop de bâtons sont mis dans leurs roues. Et qu'est-ce qui se passe dans un monde où bah, tous les cerveaux, tous les gens qui créent des choses, qui inventent des choses, disparaissent. Et bon, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Et là où le livre est, où je l'adore, c'est que c'est une immense ode sur 30 ans de lecture à la liberté, à l'entrepreneuriat, au fait de faire des choses, au fait de... Bah d'avoir envie de créer des choses dans sa vie. Et c'est fait, c'est expliqué, c'est décrit, c'est raconté de manière magistrale. On suit plusieurs personnages. Il y a à chaque fois, il y a tous les ingrédients d'une bonne histoire réussie. C'est un conflit externe, des ennemis, plusieurs climax, des retournements de situation. Et puis chaque personnage vit aussi un conflit interne avec des choses qu'il doit surmonter. Et l'autrice parvient très très bien à articuler tout ça. Et l'autrice, donc Ayn Rand, c'est une russe, c'est une immigrée russe qui a quitté la Russie au début du XXe siècle, quand le communisme a commencé à monter, qui s'est expatriée aux États-Unis. Et les livres qu'elle a écrits, c'est notamment des odes au capitalisme, en fait, tel que les États-Unis l'ont inventé. Et c'est chouette de lire ça, ça fait beaucoup de bien de lire ça. Et d'ailleurs, donc là, c'est ma lecture, je suis en train de terminer, franchement, c'est une super lecture, je la recommande à absolument tout le monde. J'ai même envie de les relire et j'ai envie de lire tous les livres de Ayn Rand. Et d'ailleurs, hop, ils sont tous très gros, mais j'en ai trouvé un qui est plus petit, qui est celui-ci, qui est très joli, qui s'appelle Anthem. D'ailleurs, à la fin, un peu son carnet de notes avec ses notes quand elle a écrit le livre, donc très cool. Je vais lire ça. Et puis voilà, donc là, aux États-Unis et au Canada, on a acheté beaucoup trop de livres en rentrant. J'ai acheté Gambatier, c'est l'art japonais de toujours aller de l'avant. J'aime bien ces petits livres sur les philosophies de vie japonaises. Donc ça, j'ai acheté ça. Ça s'appelle The Art Thief. C'est une histoire vraie d'amour, de crime et une dangereuse obsession. Donc je crois que ça parle de Stefan Breitwieser, qui est le voleur d'art le plus prolifique de tous les temps. Voilà, il a volé plus de 200 œuvres parmi les plus connues du monde. Donc très intéressant, très belle couverture. J'ai acheté ce petit livre qui est un livre d'un professeur de Princeton sur les inégalités. Donc qui explique que l'obsession qu'on a sur le fait de réduire les inégalités, et ben en fait ça peut être contre-productif et ça peut mener dans des travers très dangereux. Et en fait, la thèse du livre, c'est que plutôt que de se concentrer sur réduire les inégalités, on devrait éradiquer la pauvreté. Et s'il y en a et s'il y a des gens qui ont plus que d'autres, en fait, c'est pas très grave, tant que ceux qui ont moins peuvent vivre décemment. Là, je vous ai juste résumé la quatrième de couverture. J'ai commencé le livre et ça a l'air très intéressant, très bien documenté. Et donc, j'ai hâte de le lire. C'est un livre, c'est un essai. Et j'ai également acheté un livre qui s'appelle A Fierce Glory. C'est sur Lincoln et la guerre civile américaine. Je suis en plein dedans, en plein dans le thème. J'avais lu un livre juste avant de partir là-dessus aussi. Et donc je suis tombé sur ce livre qui a l'air vraiment chouette. Et c'est un livre d'histoire que j'ai également hâte de découvrir. Biggest mistake is leaving my town with a pretty lady.
principe numéro 4, continuer de prendre soin de soi, prendre soin de son corps et faire du sport. Alors niveau nutrition, les États-Unis et le Canada, c'est pas forcément les meilleurs pays pour bien manger et pour manger sainement, même si on trouve quand même quelques petites options pour y parvenir. Je suis très vigilant à continuer à faire du sport. Alors déjà, on marche énormément en New York, c'est énorme. Vancouver, on a fait plein de rando, etc. On a beaucoup marché aussi. Donc je crois que je suis sur une moyenne de plus de 20 000 pas par jour, parfois 25 000, parfois 30 000. Donc ça, niveau calories, j'en brûle pas mal. Et surtout, j'essaye d'être vigilant à continuer à faire du sport. Je suis allé plusieurs fois courir. Alors ça tire un peu sur les jambes vu qu'on marche beaucoup, mais je vais souvent courir. Et puis, voilà, là à l'hôtel, il y a une petite salle de sport. Donc là, je vais faire un peu de stretching, je vais faire un peu d'exercice également. Je fais un petit peu de musculation au poids de corps, histoire de garder la forme, histoire de continuer à se sentir bien et de ne pas perdre les bonnes habitudes, parce que c'est très important également, même quand on voyage, de continuer à prendre soin de soi et pas briser la dynamique que j'ai en France. La cinquième règle pour des vacances réussies, c'est de bien choisir la temporalité. Je sais que dans mon activité, et d'ailleurs c'est le cas en France en général, l'été, fin juillet, le mois d'août, c'est des mois qui sont beaucoup plus calmes, où toute l'activité est au ralenti. Et donc au début j'essayais de me pousser malgré tout pour avancer dans ces mois-là et prendre de l'avance. Mais force est de constater que malgré tout, il se passe beaucoup moins de choses. Et ce temps-là où on va aller se pousser pour bosser, pour aller récupérer des heures en plus, quelque part c'est un temps dans lequel on ne se repose pas et qu'on risque de payer un peu plus tard. Donc je me suis dit, ok, août, il ne se passe pas grand-chose. Dans mon cas, les gens ne vont pas forcément spécialement beaucoup se former, même s'il y en a qui se forment. Donc autant prendre ce temps pour ralentir, soit pour faire d'autres choses dans l'activité, peut-être lancer un nouveau projet, amorcer d'autres réflexions, ou carrément prendre ce temps off pour partir en vacances, pour se reposer, recharger les batteries et revenir à 100%. L'autre élément que je veux mentionner par rapport à la temporalité, c'est également la durée des vacances. Des bonnes vacances pour qu'elles soient productives au sens où on recharge les batteries, je pense quand même qu'il faut qu'elles durent un petit moment. Là, j'ai choisi de partir 3 semaines. 3 semaines, je vois que c'est pas mal. Je me dis que c'est un poil court, je serais bien resté une ou deux semaines de plus. Mais 3 semaines, ça commence à être intéressant. Au début de mon activité, moi, je prenais pas du tout de vacances pour deux raisons. Déjà parce que mon activité marchait pas encore suffisamment pour que je puisse me permettre d'en prendre. Et donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois où je travaille pas, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Donc au début, on peut pas forcément se le permettre. Et donc, j'étais constamment à fond pour devoir faire du chiffre d'affaires, pour devoir bosser et pour devoir faire en sorte que mon activité existe. Le premier objectif qu'on entreprend, c'est de survivre et d'avoir quelque chose qui existe. Et pour que ça existe, il faut faire du chiffre d'affaires. Et ensuite, l'autre élément qui fait que j'avais du mal à couper, c'est que j'étais tellement animé par ce que je faisais, j'aimais tellement ça, j'aimais tellement cette liberté, cette responsabilité, que j'étais constamment en mode bulldozer, que je me disais « Ok, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, tu réfléchis pas, tu fonces ». Je pense que cette attitude, elle a été géniale, elle m'a permis de passer de 0 à 1, à savoir d'avoir un truc qui n'existe pas à un truc qui existe et qui a le potentiel d'être une vraie activité qui tourne. Ensuite, je pense qu'il faut vite ne plus se mettre en mode survie, mais en mode en mode résilience et en mode je reste dans le game longtemps. Et donc ça veut dire qu'il faut apprendre à prendre des pauses, à prendre des vacances, à se ménager et à durer sur le long terme. Et c'est deux exercices différents. C'est pas la même chose de mettre beaucoup d'énergie au début pour sortir son projet de terre qu'ensuite être capable de gérer son énergie pour être présent dans la durée et faire en sorte que le projet continue de se développer à un rythme sain. Et prendre des vacances, ça participe à ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir réussi à trouver un rythme ou de comprendre mieux comment faire de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, on est le 13 août 2024 et j'ai lancé mon activité le 1er janvier 2020. Et donc ça fait 2020, 21, 22, 23, 24, c'est ma cinquième année de l'entrepreneuriat. Et j'apprends encore tous les jours, je progresse encore chaque jour. Mais c'est un incroyable kiff et c'est trop bien de se dire que je peux être en vacances, je peux me payer des vacances. Dernier run ici à Central Park, retour en France avec l'avion ce soir à 23h.
C'est dingue, Central Park c'est incroyable, c'est le cadre pour courir est fantastique, la vue est exceptionnelle et surtout y a des gens qui font du sport absolument partout. Là il est 8h14, je suis arrivé là vers 7h30 et c'est blindé, là on voit pas trop mais il y a que des gens qui courent, qui font du vélo. Et ça met dans une énergie, ça met dans un mood qui est fou de voir. En fait on est pris dans le flow et même quand on a un coup de mou, le fait de voir autant d'autres personnes qui courent, ça motive, ça rebooste. Et donc énorme plaisir d'être venu courir ici plusieurs fois. Et maintenant, retour en France. Un peu triste de quitter les États-Unis, mais ravi aussi de retrouver mes routines en France. Yeah, my